Qu'est-ce que t'as ? Bah, j'en ai marre de cette voiture. J'ai fait le plein il y a 2 jours. On consomme trop, c'est un truc de ouf. Il y a un problème. Mais non, dis pas ça. On doit juste consommer un petit peu. Hé, hey, demande arrêter de faire une vidéo dessus. Ouais. Salut à toi, Série Type, pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je souhaite remercier A2Pix Photography pour l'aide qu'il m'a apportée pour réaliser cette intro. Tout naturellement, tu trouveras toutes ces infos dans la description. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à quelque chose qui pourrait intéresser beaucoup de personnes. Je vais donc t'expliquer en 5 astuces comment moins consommer. Pour le premier point du pilotage, c'est l'anticipation. Commence à regarder au loin afin de voir tous les événements qui se passent sur ton chemin. Cela te permettra d'avoir une conduite souple, comme accélérer graduellement au feu vert ou freiner graduellement au feu rouge. Le but final est de maintenir une vitesse constante et ce comportement peut te faire économiser jusqu'à 20% de carburant. À l'auto-école, on t'a appris à passer la vitesse le plus vite possible, c'est-à-dire la deuxième à 20 km/h, la troisième à 30 et ainsi de suite. C'est bien pour un terrain plat. Maintenant, quand tu es sur une montée, tu peux attendre jusqu'à 10 km/h de plus pour passer à la vitesse suivante. Et la même chose à 10 km/h de moins pour une grosse descente. Les chiffres ne sont pas une vérité absolue, cela dépend aussi de ton ressenti. Quand tu vois que la voiture est lancée, bah tu peux y aller. En effet, passer les vitesses le plus vite possible en montée peut étouffer le moteur, surtout si tu continues à appuyer de plus en plus sur la pédale d'accélération. En fait, tu injectes de plus en plus de carburant alors que les cylindres ne tournent pas de plus en plus vite. Par contre, si tu passes les vitesses le plus tôt en descente, c'est les roues qui feront tourner le moteur et tu n'auras donc pas besoin de consommer de carburant pour faire tourner le moteur. Autre chose importante, au lieu de freiner, tu peux commencer à rétrograder, cela te permettra également d'économiser du carburant. Maintenant, parlons aérodynamisme. Le but pour une voiture est de transpercer l'air le plus facilement possible. Donc, chaque obstruction te fera ralentir et te fera donc consommer plus. Par exemple, si tu as des galeries de toit qui traînent des dernières vacances, n'hésite pas à les balancer. Tu pourras économiser jusqu'à 7% de carburant. Autre chose, sur autoroute, essaye de conduire les fenêtres fermées. Je sais, pour les gens qui n'ont pas de clim, c'est chaud, ouais, c'est compliqué. Mais n'hésite pas à t'abonner et reste sur la chaîne, j'aurai peut-être une solution pour toi. Pour ceux qui ont l'habitude de rouler à 150, ce conseil te permettra d'économiser vraiment beaucoup de carburant. En effet, quand tu roules à 120 au lieu de 130, t'économises jusqu'à 1 litre tous les 100 km, sachant qu'un trajet de 100 km ne dure que 4 minutes de plus. Par exemple, un Paris-Lyon ne durera que 18 minutes de plus. Pour la tenue de route, des pneus sous-gonflés peuvent te faire consommer jusqu'à 4% de plus. Pense à vérifier tous les mois la pression de tes pneus. Les indications du constructeur sont sur la trappe à essence, la portière. Ma petite astuce est donc d'ajouter 0,2 à 0,3 bar de plus. Autre chose, n'oublie pas de vider ton coffre, parce qu'en effet, cela te fait du poids et donc plus à transporter, ton moteur consomme plus. Toutes ces améliorations te permettront donc d'avoir une meilleure tenue de route et également de moins consommer. Et ouais, on y revient. Je t'invite donc à voir ma vidéo sur l'entretien du moteur où je te parle de changement de filtre, de bougie, etc. Et voilà, la vidéo est déjà terminée et j'espère que ça t'a plu. En tout cas, si t'as d'autres idées pour moins consommer, n'hésite pas à contribuer comme Florian et à partager ton avis en commentaire. Merci Florian. En tout cas, je souhaite encore remercier A2Pix Photography pour l'aide qu'il m'a apportée pour réaliser cette intro. Franchement, c'est un photographe de talent et tu devrais regarder ce qu'il fait sur internet. Ah ouais, j'ai ouvert mon compte Twitter. Donc n'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux où je partage en exclu. Et tu seras le premier averti de tout ce que je fais. Donc porte-toi bien, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.